Voici une coque qui coûte moins de 10 euros. Et voici une coque premium Pitaka qui coûte presque 60 euros. Quelle est la meilleure coque pour l'iPhone 13 Pro? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser plus? Hein? On en parle tout de suite et en plus, il y a un cadeau pour vous. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Comme moi, vous adorez sûrement votre iPhone. Enfin, vous les adorez presque tous. Bien évidemment, son iPhone, il faut le chouchouter, le câliner. Non, je déconne. Il faut surtout le protéger. Je me suis donc légitimement posé la question, quelle serait la meilleure coque pour mon iPhone 13 Pro? Je vais donc répondre à cette question maintenant. Cette vidéo est faite en partenariat avec Pitaka. Je vous présente la marque juste après. Et je vous réserve un petit cadeau pour ce début d'année. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin. Et pensez aussi au pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai donc décidé de faire un comparatif ou une battle, pour prendre un mot à la mode, entre une coque pas chère et une coque plus chère, justement. J'ai choisi pour la coque premium la marque Pitaka. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est une marque d'accessoires pour smartphones et objets connectés. Ils proposent des coques pour iPhone ou Samsung Galaxy, mais aussi pour d'autres produits Apple comme les iPads, les AirPods. Je vous laisse découvrir tous les accessoires proposés sur le site de la marque. Je mets le lien dans la description. Alors, je vous mets à l'aise tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas payé par la marque pour dire du bien de leurs produits. C'est un partenariat tout simplement. Je vous la fais courte, j'ai acheté sur un coup de tête une coque pas chère pour mon iPhone 13 Pro. J'ai voulu faire vite et pas dépenser beaucoup. Deux mois après, eh ben, je suis déçu. Je vous dirai pourquoi juste après. J'ai donc contacté Pitaka pour tester leur coque MagES Case 2 et ils ont dit oui. Ils m'ont donc envoyé la coque gratuitement. Je donne donc mon avis sincère sur le produit que j'ai choisi de tester, c'est dit. Mais si vous êtes bien installé et que tout est clair, on va pouvoir commencer. Je vous présente la coque ou kit de protection pour être plus précis, que j'ai payé moins de 10 euros sur Amazon. Déballage éclair. Dans la boîte, vous avez une coque transparente en soft CPU material. Bon, en plastique flexible, hein, en fait. Deux verres de protection pour l'écran et deux protections pour le bloc photo arrière. Tiens, cet accessoire a attiré mon attention. C'est bien de protéger le super bloc photo du 13 Pro sur le papier, c'est complet. J'ai donc installé tout ça, j'ai mis dans ma poche mon iPhone 13 Pro et roule dudule. Mais j'ai très vite commencé à avoir les défauts. La coque baille pas mal, elle n'est pas plaquée autour de l'iPhone. Du coup, les poussières et les saletés entrent sous la coque. En plus, elle va de plus en plus se détendre avec le temps, forcément. Et ne plus du tout protéger mon iPhone, sans parler du matériau plastique flexible qui ne va pas assurer votre iPhone en cas de chute, hein, c'est clair. Quant à la protection de verre pour le bloc photo qui se colle, c'est vraiment joli. Mais attention, le téléphone n'est plus du tout aéré. L'air ne circule plus puisque l'ouverture dédiée au bloc photo est bouchée. Après avoir joué 15 minutes sur mon canapé, mon iPhone a chauffé de façon inhabituelle. Sans parler de l'impact sur vos photos et vos vidéos. Et oui, les capteurs slash optiques ne vont pas aimer ce petit bout de verre que vous allez mettre devant. L'autofocus va forcément en pâtir. Vous l'avez compris, j'ai été déçu par cette coque. J'ai voulu dépenser peu et parfois, c'est dépenser trop. Allez, passons maintenant à la coque Pitaka MagES Case 2. La voilà, je l'ai installée sur mon iPhone 13 Pro. J'ai le modèle en noir, mais il existe plusieurs coloris et plusieurs modèles différents. Je vous invite à aller voir sur le site ou sur Amazon pour découvrir les autres modèles et les autres coloris. Bon, allez, je n'attends pas la fin de la vidéo. Allez, c'est cadeau. Je vous offre 5 euros de réduction sur l'achat d'une coque MagES Case 2. Le lien d'achat est dans la description. C'est un petit cadeau, mais ça peut aider. Alors, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour me suivre et aussi m'encourager. Merci d'avance. Allez, je commence par un rapide déballage. La boîte est vraiment réussie, on pourrait plutôt qualifier ça de coffret, hein, avec un rabat magnétique qui fait son effet quand on l'ouvre pour la première fois. À l'intérieur, tout est sobre, tout est classe. Vous trouverez la coque dans son écran et les indications pour l'installer sur son smartphone. Quand on retourne la coque, on découvre le cercle magnétique qui garantit la compatibilité avec le chargeur Apple MagSafe ou un chargeur sans fil certifié QI, très bien. La coque est installée sur mon iPhone 13 Pro, voyons donc ses points forts. D'abord, à la prise en main, j'apprécie la texture 3D anti-dérapante de la coque.
Moi, j'ai reçu la coque noire, mais il existe plusieurs coloriers, comme je vous ai dit précédemment. Autre constat au premier abord, c'est cette double impression de solidité et de légèreté. La coque Mag EZ Case 2 est fabriquée à 100% en fibre d'aramide. C'est un matériau que vous retrouvez par exemple dans la fibre du Kevlar, aussi très utilisé dans l'aérospatiale ou l'automobile. Ou dans les gilets pare-balles, par exemple. Oui, c'est du solide. Ses avantages sont bien sûr la solidité, sa durabilité, sa faible densité, donc c'est très léger, et sa résistance aux rayons UV, à l'eau et au feu. Ok, ce n'est pas juste du plastique, vous l'avez compris, on est sur un matériau haut de gamme, ça rassure forcément. Même si je l'utilise que depuis une semaine, c'est une coque qui devrait durer très longtemps sans se casser, sans subir tout un tas de rayures, de frottements dus à l'usure ou même changer de couleur avec le soleil. C'est ça une coque premium. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas roué de coups de marteau ou jeté dans une cheminée pour vérifier sa résistance, mais faisons confiance à Pitaka, c'est une marque sérieuse. Comparé à la coque pas chère en plastique, il n'y a pas photo. La Mag EZ Case 2 s'ajuste parfaitement à mon iPhone. J'aime la découpe proposée autour des boutons, ça favorise son utilisation au quotidien. Cela laisse aussi entrevoir la signature couleur de l'iPhone 13 Pro. Pour ma part, le bleu alpha, c'est très élégant, vraiment. Pitaka a aussi prévu une protection surélevée pour le bloc photo et les optiques de l'iPhone 13 Pro. Allez, petit bémol personnel. J'aurais préféré un système de glissière qui s'ouvre et qui se ferme devant le bloc photo, ce qui aurait permis de protéger complètement les trois optiques des chocs et poussières quand on n'utilise pas l'appareil photo de son iPhone. Ça aurait été pas mal. Peut-être la prochaine version, qui sait? Vous l'avez compris, je vous conseille sans hésiter la coque Mag EZ Case 2 de la marque Pitaka. C'est tout simplement l'une des meilleures du marché. Profitez du cadeau Giga, je vous le rappelle, 5€ de réduction sur l'achat d'une coque. Le lien d'achat est dans la description juste en dessous. Et si vous me suivez, vous savez que je vous conseille toujours d'acheter un produit high-tech pour son utilité avant tout. Et que je recherche toujours le meilleur rapport qualité-prix pour mes achats. Évitez de faire la même erreur que moi et n'achetez pas une coque bon marché. Dans 3 ou 4 mois, cette coque ne ressemblera plus à rien et ne vous servira plus à rien. En plus, en cas de chute, elle ne protégera pas votre iPhone. J'ai cru économiser de l'argent, j'en ai en fait dépensé pour rien. Quand on a un iPhone 13, 13 Pro ou 13 Pro Max qui coûte 1000, 1200 ou 1500 euros, on ne lésine pas sur sa coque. Vous pouvez garder votre smartphone dans un état parfait pendant longtemps. En cas de revente pour passer à un autre modèle, votre iPhone sera comme neuf. Et bien parfois, la qualité a un prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche par ici, je crois. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut !